Et donc ici c'est la sec qui pose pour les nombreux photographes ici. Une chose du point de vue réalisation dans ce match entre Eagle Siemens et c'est parti. Et nous sommes de tout cœur avec la sec Mimosa. Les Tanzaniens qui vont perdre le ballon. Siaka Bamba. Siaka le numéro 11. Tir de Siaka Bamba. Orgel, le capitaine de la sec Mimosa. Gaoté. Gaoté va déborder en position d'ailier. Gaoté le centre. Voilà, c'est pas fini. Et le but. Le but de Kanzaki. But de Kanzaki. Un jour. Je crois 2 minutes. 1 minute. 30 secondes. Je crois que c'est oui. Gel récupère ce ballon pour Sida Zakaria qui va centrer. Et c'est un arrêt de Katouba. Et les Tanzaniens maintenant avec Privalise qui va centrer. Il est pour Bamba Siaka. Bien passé. Il est arrivé. Tanzanien, pas pour longtemps puisque Batra va récupérer ce ballon. Bien joué. Borgel, peut-être la balle du deuxième but. C'était tellement bien. Il a remisé sur Gal Kirokois qui s'est retrouvé au cœur de la défense tanzanienne. Une frappe. Alors, si attention à cette réaction tanzanienne. Et... C'est parti. Un but contre son camp. Je crois qu'il y a une faute. Non, 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 il a accordé le but. Camara Bassanogo, c'est bien fait, magnifiquement joué. Bassanogo va centrer, alors c'est un tir. Hein. Gel vers Gaoté. Gaoté va accélérer. Gaoté, petit saut. Balle au 5m50. Et je vois le geste de monsieur Yango, mais c'est terminé. Il délivre la fin des 90 minutes de cette rencontre qui voit donc la victoire de la SEC Mimosa à 2-1. 2 buts, les 3.